Bernadette, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Comment on appréhende un concert juste avant de monter sur scène? Ah, ça sera ma première question. Ça dépend, c'est jamais la même chose. Là, je passe un peu de temps avec vous. Je vais me préparer après. Voilà, c'est rien de pas. Il n'y a pas de. Non, je fais pas brûler un encens particulier, etc. Non, très bien. Rien de tout ça. Vous êtes né en 1980, mais j'imagine que la musique, vous ne le faites pas depuis 1980. Ça vous est venu après, parce que vous êtes aussi comédienne aussi. Non. J'ai vu ça sur votre bio, vous avez fait aussi un peu de d'actoring. Non, pas du tout. D'accord, bon, il y en a qui ont crié n'importe quoi sur vous. C'est vrai. c'est venu à quel moment justement? La musique, c'est venu tôt néanmoins. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas venu dès ma naissance, ça aurait été difficile, mais c'est venu pas très longtemps après. Puisque j'ai eu la chance d'être inscrite dans des cours de musique dès mes 4-5 ans. Donc ça fait partie de ma vie depuis toujours maintenant. Alors aujourd'hui, vous êtes à Aix-en-Othe sur ce festival, sur ces 29e festivals, édition de ce festival. Et demain, vous êtes à un truc, alors là, c'est énorme puisque vous êtes aux Vieilles Charrues. Mmh. C'est pas la même. Non, c'est un petit grand écart, mais ça fait partie du métier qui fait qu'on passe du plus gros au plus petit, il y a toutes sortes de choses, c'est-à-dire et tout a une saveur particulière, hein, c'est-à-dire que là c'est quand même un très joli festival, oui, avec une très belle programmation, etc. Le lieu est vraiment magnifique. En fait, il y a des qualités absolument partout qui ne sont pas les mêmes, mais ça c'est normal et c'est tant mieux d'ailleurs. Alors Jeanne-Adèle, qu'est-ce qu'elle écoute comme musique, Jeanne-Adèle? Est-ce qu'elle écoute un peu de tout ou est-ce qu'elle est très arrêtée? Non, j'écoute de tout. Après en tournée, si j'en écoute, j'écoute pas forcément énormément de musique. Mais là, ces derniers jours, quand je suis rentrée chez moi, j'ai écouté du Duke Ellington, voilà, j'ai écouté du jazz. Donc voilà, ça me fait partie des choses qui me font plaisir en ce moment. Ah, c'est un peu la playlist que vous avez sur votre iPod, c'est ça? Non, ça dépend vraiment du moment. Alors, dans le même délire et dans la même série de questions, c'est quoi votre groupe préféré, votre chanteur? Est-ce que vous avez quelqu'un? Ah oui, mon idole absolue, c'est Prince. Ah, ça, c'est connu ça, c'est maintenant. Oui. Mais c'est lui, ça me fait toujours du bien de l'écouter. D'accord, Prince. Donc ça, vous l'écoutez régulièrement? Oui. Purple Rain, tout ça. Hier soir, on a écouté quoi? On a écouté Paisley Park, donc c'est dans Around the World in a Day. D'accord, voilà. Très bien. Et alors du coup, si vous aviez justement une reprise à faire d'un chanteur, ça serait justement Prince? Non, il aimait pas ça qu'on fasse des reprises, donc j'en ai déjà fait une il y a longtemps. Mais récemment, on a fait une reprise de Everything But The Girl pour la sortie de cet album-là. Voilà, moi je suis pas je suis pas à fond de faire des reprises pour moi. Ah, ça c'est bien, ça tombe bien, parce que clairement moi non plus, j'aime pas quand les autres prennent. Enfin bref, c'est un autre délire. Justement, plutôt vinyle, plutôt CD? Plutôt streaming. Ah, ok, donc plutôt proche de ce qui vous entoure, ouais, c'est ça. Et sinon, s'il y avait un vinyle à réécouter, ça serait lequel? Ah bah après c'est de la musique, c'est-à-dire le support en fait finalement il est accessoire. Le craquement du vinyle manque pas un peu? Non mais j'ai jamais été équipée pour faire ça, donc pour le vinyle. Donc moi j'ai plein de disques à la maison, des CD. Ouais. Donc plutôt CD, j'ai envie de dire. Voilà. Plutôt si CD. Qu'est-ce qu'on va voir justement? Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce spectacle ce soir, Jeanne-Adèle? C'est un mix de mes deux albums. Donc Beast Sensational et Radiate. D'accord. Et puis on peut, et bien sûr, en dehors de vous retrouver dans les festivals, sur les réseaux sociaux, on vous retrouve aussi. Exactement, sur Facebook, comme tout le monde. Tout le monde, vous avez un site internet, j'y suis allé d'ailleurs, qui est très très bien fait. Très clair, très net, très simple. Oui, il n'y a rien de plus. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu ce matin. En tous les cas, je vais vous laisser tranquille parce que vous jouez dans 20 minutes. Merci beaucoup, Jeanne-Adèle, d'être venue. Voilà, par le plateau de Comcom TV. Et puis, merde. Voilà. Merci à vous. Voilà, c'était Jeanne-Adèle, on a eu la chance de l'avoir quelques instants. Merci encore. Voilà, celui qui est derrière vous. Et on se retrouve nous tout à l'heure avec d'autres artistes. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup.